C'est pendant la période de repos végétatif que le vigneron effectue la taille. Une taille en gobelet est typique du vignoble beaujolais traditionnel. Cette taille ne permet pas la mécanisation. Mais un autre type de taille est autorisé depuis peu en Beaujolais. C'est la taille dite en cordon, plus adaptée à la mécanisation, offrant des grappes bien étalées et aérées. Ça fait comme la taille savante, ça fait qu'on pense au piégeage. J'ai reçu dernièrement les documents, là, les déclarations. Les as vus, c'est perdu en descendant. T'es sûr, ouais, qu'elles sont belles. Elles sont belles. Restées quand même. Comme quoi. La neige les a pas dérangées. Voilà. Ça va pas faire mal parce que on doit tourner de taille. Oh là, ça va bien de s'asseoir pour le dos. Ouais. Bonne chose. Le feu était pas chaud. Aujourd'hui, c'est la fin de la campagne de taille. C'est l'occasion de se retrouver pour un dernier coup de main. Et quelle joie d'assister à ce traditionnel casse-croûte de fin de taille. Le saucisson à la braise. Un vrai délice. Une merveilleuse sensation de chaleur et de baume au cœur. Merci. Ça sent bon, hein? Oui. Non, mais toujours pas, hein. Oh, non, merci. Moi, j'ai mieux manger un saucisson. Merci. 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 Je dirais que c'est même un bon vin de garde. Bonjour. Mise à la carte pour m'apporter.